Je vends tout le temps de soutien, tout le temps, on pense à tout. C'est joué vite. Ok, la passé des finales, c'est vraiment un niveau au-dessus. Au niveau de l'ambiance et tout, pour vraiment qu'on soit au taquet. Les gars, après l'atmosphère, ça va changer, il y aura du monde et tout. Il ne faut pas qu'on parte en couille, il ne faut pas qu'on s'engueule. Mais tout le monde passe à son job, tout le monde joue à 100% et on s'encourage tout le temps. La demi-finale, les gars, contre Toulouse, c'est ça. On a gagné parce qu'on était toujours dans notre jeu, on a encouragé tout le monde. On regarde le collectif qu'on a eu toute l'année, les gars. C'est pas maintenant qu'on doit être individuel. C'est le long chemin. Tous ensemble, on s'encourage. Une faute, comment faire des fautes, c'est pas grave, on s'encourage tout le temps. Premier 20 minutes, tout le monde touche au blanc, tout le monde fait le partage. Plus fort. On plaque à 3, on part en soutien les gars, toujours. Jamais ça, on parle quand même devant, on fait une requête, jamais ça. C'est un soutien, un soutien. Les gars, c'est dans 10 minutes, vous devez faire des fausses appels, mais vous le faites les gars. On le fait, on bosse pour l'équipe les gars. Le but c'est de gagner la coupe. Encore 20 minutes, ok? 20 minutes parfaites. Beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de communication. Rappelez-vous les erreurs passées. On attaque le match, on vous l'enlève, tout le monde est trop discipliné et on ne fait pas dans le match. Attaquez à fond, ok? Je ne veux pas dire libérer les paroles n'importe comment. On rentre, on joue à fond, on rentre, on attaque à fond, on dépense, très enthousiaste. Si on fait tout ça, l'arbitre sera de notre côté. Votre but, vous avez envie, l'arbitre sera avec nous. Par contre, si on commence à subir les plaquages, si on fait le tenir, on se fait contrôler tout ça, là, ça risque de changer. Donc, vraiment une grosse attitude, beaucoup de soutien. On évite les passes longues, on évite les jugements, tout ça. On joue que sur le petit périmètre, on joue à presser. On sait, on doit les taper sur Munoz, on va taper sur Jean, on va se taper sur Ramage, mais pas on va se glisser comme ça. Il y a Murcia extérieur qui risque de couper. Tout ça, on peut le savoir. Taylor, on n'a jamais le coup de dessus, ok? Toujours dans les angles avec une grosse chasse. Tout ça, on le connaît par cœur, ok? Donc, 80 minutes, parfaite, et on ramènera la victoire à la maison, ok? Et après, une grosse date. Gros match de tout le monde, ok? Allez, bon échange. Allez, on va de vite, on de la ligne. On va de vite, ensemble. Une ligne, ensemble, les gars, faut que ça monte. Collectif, toujours. On est le temps, nous, va. Les gars, Allez les gars, tous ensemble 80 minutes, on va faire tout seul, les gars, dans votre tête, tout le match, c'est interdit d'accepter que ce soit que nous. C'est interdit qu'il nous gagne. On est meilleur, les gars. Il faut juste qu'on joue. Les gars, impossible d'accepter qu'il voit la gagner, ce coup. Le gars, une brûle, une juste moi. Mais c'est pour le 3 ans, c'est mon dernier match d'Avignon. Allez, trois rounds. J'ai besoin de partir à gagner. Plus contre nous. Toutes les semaines, on parle de moi. Oh, t'as tenu, t'as fini. Avignon, j'ai jamais gagné ici. Nous, on parle 20 minutes, on a 6000 supporters. Sans fou de ça. C'est aujourd'hui le cœur d'Avignon. On gagne, on sortit, on fait un coup de le mur, on gagne ensemble. C'est le collectif. Nous, on a un gros cœur. Toutes les saisons sont finies dernières, c'est pas février, pas le cœur. C'est pas l'envie. Nous, chaque match, on a envie. Aujourd'hui, l'envie pour nous, la forme.
Les gars, pensez, il faut être lucide, il faut avoir la haine contre eux, les gars. Impossible, on va pas nous l'arracher cette coupe, elle est pour nous, les gars. Ok? Faut avoir la haine, on les respecte pas. Les gars, nous les trois quarts, centre, ailier, arrière, on va les aider. Sortie de quart, on prend les ballons comme les piliers et on dégomme tout, d'accord? Si aujourd'hui il faut perdre le plus, d'habitude si on prend 4 ballons, mais aujourd'hui on en prend 8. Il faut perdre le plus, toujours on prend le plus aujourd'hui. Le petit centimètre de plus, mais il faut le faire aujourd'hui. Aucun feignant, d'accord? Allez. Les gars, dites-vous que le soutien, ça peut être bête, mais s'il passe la ligne, après deux contre un, les gars, les petits détails comme ça, c'est pas important dans les finales. Il faut toujours être en extra effort, les gars. Hé, maintenant. On est tous motivés, ok, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous savez tout ce que vous avez à faire, juste pendant 80 minutes, mettez-le en place. Hein. Réfléchissez qu'à ça, ne pensez pas au public qui va crier, tout ça. Juste votre boulot hein, et faites-le le mieux possible. Jouez vite, jouez en soutien. Ne touchez jamais pendant 80 minutes. Et on oublie l'arbitre. On parle pas à l'arbitre. On se tait, on joue dans pas du tout. Allez, tranquille, pas de pression, on est bien.
faites pas attention. Deux fois, c'est fini. Oh, pas fini, 40 minutes. Bon. Je pense que le cœur est bien, on a tout ça. Ouais, non, mais c'est pour ça que je passe sur le terrain. La défense, le problème d'agressivité collective, hein, il y en a un qui va essayer de sortir à mettre un coup d'épaule. Dès qu'il y a un contact de pied, il gagne 5 mètres après le contact. C'est pas normal, c'est pas tout ça en défense. Hein? Bon, les gars, ABC, qu'est-ce qu'on avait dit? Auto une tenue, monter très vite, les prendre. Ça se passe ça, non, on subit tous les plaquages. En attaque, pareil, en attaque, dès qu'on enchaîne une tenue rapide, que ça sent le bon pour les tenues, on lui prête une pénalité. Ok, hein? Donc, on continue à jouer comme ça. Après, sur le déplacement de jeu, c'est à plat, il n'y a pas d'option, c'est trop facile à les prendre, c'est nul. Nul. Ok, donc on va s'en reprendre. Mais avant, vous continuez à travailler autour des tenues. Essayez maintenant d'aller chercher plus de soutiens. Hein? On les a bien pris. Essayez maintenant, si vous voyez qu'ils bloquent le tenue autour des tenues, d'aller chercher B et C. Et je veux que ça arrive. Hein? Ça n'arrive pas. Tout le monde attend le ballon. Hein? Il n'y en a pas un qui va prendre l'intervalle à fond. Le ballon qui va arriver, qui va casser la ligne. Non, tout le monde attend. Vous avez peur ou quoi de prendre le tampon? Oh, sécurité. Ok? Alors il va falloir y aller. Il va falloir faire super mal en dépasse. Il va falloir super mal en attaque. Hein? Ne commencez pas à parler à la liste avant de prendre la question. Je veux parler. Il y a un charge. Thank you.
Bon match. Oui, track on track, oui, we lose it. Allez, voilà. Vous l'avez vu, on fête déjà la victoire de Raymond Nassau, il lui offre du match par le jury des journalistes ici présents. Et dans un instant, eh bien, monsieur le président de la Fédération française de rugby à 13 va remettre la coupe Lord Derby à toute cette belle équipe d'Avignon qui s'est brillamment illustrée cet après-midi. Et c'est Joris Cagnac qui aura le privilège de soulever la coupe en premier avec ses petits camarades. Hein. Ouais, je sais bien que vous allez y aller ensemble. On va aller rejoindre le président Carlos Salduendo, Joris. Récupérez vos médailles de vainqueur. Joris est avec nous, le capitaine, hein, le capitaine, tous ses camarades sont avec lui. Joris, le numéro 10 d'Avignon, Joris Cagnac, avec tous ses camarades. Madame le maire est évidemment ravie, ainsi que toute l'équipe dirigeante. On n'oublie pas, je me rappelle à nouveau, bien la belle performance des joueurs de Limoux, puisque pour de belles finales comme celle-ci, il faut deux belles équipes. C'était le cas cet après-midi. Bravo à l'ensemble de ces joueurs. Et nous allons remettre la Coupe des Francs dans un instant. Passez une belle année, j'espère. Du côté d'Avignon, cette Coupe de France Lord Derby.